Aymeric Bonnery prend le contrôle de l'antenne dans le Rico Show en direct de 21h à 23h. De 21h à 23h pour 2 heures de surprise déjantée. Vous êtes dans le Rico Show sur Radio VL. Il y a Jean-Michel Maire et Gilles Verdet. Merci d'être là, les gars. Merci à vous. Et là, on était sur un dossier, mais brûlant, bouillant, bouillant, bouillant. Puisqu'effectivement, on a osé s'attaquer à Gilles Verdez. Ouh, ah, mais qui donc Gilles. Si vous étiez là, et vous étiez là, avant la musique, effectivement, Fred Musa, célèbre animateur de Skyrock, avait un petit message à passer. À Gilles, on vous remet l'extrait. Tiens, c'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau. J'aime pas tout le monde dans l'équipe, mais... Si tu veux donner des noms ce soir... Gilles Verdez. Mais lui, il me gave, mais il m'a toujours gavé, ce mec-là. C'est pour une histoire particulière, c'est que ce gars-là, moi, je le suivais, si tu veux, dans Le Parisien et dans François, parce qu'il écrivait sur le PSG, parce que moi je suis fan du PSG, et il écrivait souvent des articles, et ces articles j'étais tout le temps en désaccord avec lui, donc maintenant même de voir sa gueule ça m'énerve encore plus. Vous êtes dans le Rico Show sur Radio VL, il est 22h20, on va appeler Fred Musa. Gilles est debout, on va même ajuster la caméra pour ceux qui sont sur Dailymotion et la homepage. On appelle tout de suite Fred Musa et Gilles va répondre à Fred. On espère qu'il décroche, auquel cas il laissera un message. Gilles, c'est à toi. Je pense qu'il va pas décrocher, c'est un pleutre. Un pleutre. T'as d'autres choses à foutre aussi. Hein. À cette heure-là, tu rigoles. Alors, t'es où, Musa? Musa, pas Musa. Il est là, ça sonne. Il est pas au courant. Je suis pas un sauvage. Salut, Fred Musa. Allô? Oh la vache, il voit même pas la différence entre répondeur et un mec. Fred Musa, c'est Gilles Verdez. Ça va, mon pote? Alors comme ça, on me taille sans me connaître? Écoute, voilà, tu peux me rappeler quand tu veux. Juste un truc. Moi, les critiques, c'est génial. Mais toi, t'es un mytho. Parce que tu dis que t'aimais pas ce que je faisais quand j'écrivais sur le PSG, dans Le Parisien et dans François. J'ai jamais écrit une ligne sur le PSG dans François. D'accord? Donc tu reprends tes classiques, tu regardes tout ça. Et quand t'es calmé, tu me rappelles et on discute. Ok? Pareil que tu fais de la radio. Bon, voilà, peut-être. Si t'as 5 minutes de temps en temps pour m'appeler, tu le fais. Allez, je t'embrasse. T'es un bon gars quand même. C'était Gilles Verdez qui laissait un message après. Ça va faire causer cette histoire. Gilles Verdez vous a donné quand même un scoop. Il est journaliste sportif depuis 30 ans. Il a jamais écrit une ligne sur le PSG. C'est quand même pas mal. Comme le mec, il est balèze. À part le ski de fond, je sais pas ce qu'il fait. Oh là là, t'es un sacré détracteur. Il a été envoyé par Fred. Hein.